Donc là, on est le 2 octobre 2021. C'est la journée Accordez vos vélos. On est à Paris, sous la canopée des Halles. À 11h tout à l'heure, les Forces Majeures, qui est un orchestre professionnel, va donner un concert ici avec une cinquantaine de musiciens amateurs parmi ses rangs. Donc on sera environ 80. C'est assez original parce que je passe souvent là pour me balader dans Paris et je pensais pas jouer un jour ici sur cette esplanade, donc c'est sympa. On m'a distribué un petit flyer, si j'ai cru comprendre que ça intervenait tout au long de la journée et que c'était également un parcours itinérant et qu'on pouvait les suivre. Et donc je vais essayer, je suis avec des amis, donc si elles veulent bien, mais en tout cas je suis fortement intéressée. Accordez vos vélos, c'est un événement totalement gratuit. Tous les concerts sont donnés dans des lieux ouverts au public. Il suffit de nous retrouver dans les différents points de concert ou alors de louer ou de venir avec son propre vélo, un casque et un antivol pour pouvoir assister à tous les concerts de cette journée festival. Ensuite, tout le monde enfourche les vélos, bénévoles, techniciens, musiciens et cyclistes des différents clubs cyclistes d'Île-de-France. Départ imminent pour Place de la République. Vous rejoignez Frédéric qui vous attend avec son casque orange porte Lesco groupe 1. Départ imminent pour Place de la République. Merci d'être là, c'est un concert de la Fanfare au Carreau. La Fanfare au Carreau! Concrètement, on invite absolument n'importe qui, cycliste, piéton ou automobiliste, on fait pas de différence évidemment, mais l'intérêt de ce cortège, c'est qu'il est faisable de manière sécurisée et encadrée à vélo en intégralité, et c'est donc possible pour des jeunes ou des personnes âgées avec vélo électrique de suivre tous ces concerts. Donc si vous êtes par hasard sur notre chemin et que vous avez envie d'entendre la suite, et bien vous nous suivez, vous continuez. Et si vous êtes friand et informé à l'avance, vous pouvez faire le grand chelem, c'est-à-dire la journée complète. Oui, parce qu'il faut savoir, que le violoncelle est un instrument qui est plus communément appelé guitare. Alors, pour ceux qui s'y connaissent vraiment, qui font des études poussées de musicologie, etc., c'est également un instrument qu'on appelle grosse guitare. Je suis parent d'élève, en fait, donc on a l'habitude d'investir la cour, et en fait, il y a une maman qui m'a envoyé un message en me disant il y a un spectacle qui arrive qui se prépare dans un quart d'heure, donc en fait, on est venu et donc voilà. C'est cool de venir jouer ici, quoi, de venir jouer à Saint-Denis, de jouer dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de musique comme ça qui se passe et de venir vraiment à la rencontre des gens, je trouve que c'est une très bonne chose. C'était très impressionnant d'être aussi près de l'orchestre. À deux pas de chez moi, c'est extraordinaire. Accordez vos vélos, c'est une magnifique expérience. C'est un mariage entre la musique, le vélo, des professionnels, des amateurs, des collégiens, un public, des cyclistes, sa vocation à grossir, sa vocation à s'étendre sur d'autres territoires avec de nouveaux partenaires, tous ceux qui voudront nous rejoindre, qui, j'en suis sûre, vont être séduits. Et je crois que dans l'esprit que l'on veut donner aussi à la transition écologique, pour les acteurs culturels, une opération comme Accordez vos vélos, elle a vocation à devenir exemplaire.